Bonjour à tous et bienvenue. Alors voilà, une petite vidéo de visite sur Paris. Alors je suis désolé, il pleut. Je sais pas ce que ça va rendre. Je sais pas si vous allez m'entendre, parce que j'ai pas de micro. J'ai que le micro de l'appareil. Donc petite visite sur Paris qui est prévue depuis une dizaine de jours. Là, j'ai été invité par une personne. On va être trois. Donc bon, vous savez déjà où je vais aller. Donc on va se retrouver là-bas. Allez, ciao. Ça y est, voilà boulevard Voltaire. La station République. Alors j'ai un peu d'avance. On a rendez-vous à 10h30, il est pas loin de 10h. Bon, là, je suis comme ça, je suis du genre à arriver un petit peu en avance. Alors je vais me poser dans un coin, voilà. Alors, je vais enlever mon bonnet, ce sera mieux. Donc du coup. Oui, donc, quand on dit République, concrètement, c'est la station. La plupart des magasins se trouvent sur le boulevard Voltaire. Et moi, je vous avoue que ça fait un petit moment que je suis pas venu. Alors, je suis désolé, il y a des voitures, je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai pas pris de micro, j'ai rien. Et donc moi, j'étais étudiant à Paris de 98 à 2006. Concrètement, ça doit faire pas loin de 10 ans, voire un peu plus de 10 ans que je suis pas venu sur boulevard Voltaire. Donc voilà, j'ai accepté l'invitation de Hervé Le Baba. Donc bah, on va essayer de tuer le temps, je pense que je vais boire un café. Et puis je vais essayer de filmer, donc excusez-moi par avance si ça tremblote un petit peu, si vous entendez pas très bien. J'ai pas le matériel qu'il faut. Mais bon, j'ai accepté l'invitation d'Hervé Le Baba et du coup, je vais filmer un petit peu. Voilà, je fais aussi un petit peu ma petite story à République. Donc je vous dis à tout de suite pour les images et je vais essayer de faire quelque chose de correct. Allez, bon visionnage. Donc, j'ai raté l'entrée de de Hervé et de Yann. Ouais. Et du coup je voulais faire une petite présentation. C'est raté, donc vu qu'on est là grâce à toi. De rien, j'allais dire merci, c'est plutôt de rien. J'aime bien faire ces IRL, parce qu'on est à Paris, on est tous dans notre coin, ouais. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir se voir en vrai, se faire une opinion sur la personne, et échanger, puisqu'on est des retro gamers. Ouais. Et j'ai initié ça depuis 3 ans, Et puis maintenant on se rencontre régulièrement, après avec certains qui peuvent venir, d'autres non, et l'équipe est avec toi l'équipe est nouvelle, je suis content de te rencontrer. Merci, moi aussi. De toute façon on va te faire découvrir le tour. Le but c'est ça, parce que moi concrètement tu vas être mon guide. Voilà, j'ai un ami qui va venir qui s'appelait Macoloco, la première fois que je l'ai vu comme toi, On a recherché un jeu, c'était le thème de la journée, donc là pour toi ce sera la découverte des magasins. Tu cherches un jeu spécifique. Alors, on va essayer de le chercher, ce sera une bonne thématique, un fil rouge. Alors il n'y a pas de fil rouge parce que concrètement j'ai pas pris un gros budget. Il y a les soldes qui m'ont fait un peu mal. C'est vrai que j'ai vu. Tout le monde a acheté. Ouais, mais quand même, les soldes étaient... Alors non, c'était bas, mais comme j'ai craqué mon caleçon, du coup... J'ai vu aussi, t'es au cash. Et je suis allé au cash, ouais. Avec notre ami Jérémy. Voilà, on fait un petit coucou au couteau Jérémy.
Voilà, j'ai craqué aussi avec lui, alors c'est le problème. C'est pour ça que je viens pas souvent sur Paris, enfin pas du tout où les caches, parce que je craque assez facilement. Bon bah on vous dit à tout de suite, on attend encore une ou deux personnes, c'est ça? C'est faux, il coupera ça en montage. Ouais. Il veut pas que je parle, je suis censuré. Si. Bon allez, à tout de suite.
Bon, alors voilà, de retour de Paris. Donc là, je suis pas chez moi, je suis chez mes beaux-parents, notamment dans la chambre de ma belle-sœur. Je lui ai dit, attends, je vais faire une petite vidéo compte-rendu, donc j'ai besoin d'un peu de calme et d'une pièce. Donc voilà. Alors le but de la vidéo, c'était pas forcément donner mon avis sur est-ce que République, enfin Boulevard Voltaire, les magasins de jeux rétro, est-ce que c'est cher, c'est pas cher, le but c'était pas ça. C'était vraiment de découvrir un petit peu, voilà, 10-12 ans après, ces boutiques-là, que j'ai pas forcément connues. En fait, j'étais en train de me demander à l'époque, quand j'étais étudiant à Paris, pourquoi j'allais à Boulevard Voltaire. Et voilà, ça, au retour du train, je me suis remémoré un petit peu pourquoi j'y allais, et j'avais le souvenir qu'il y avait beaucoup de, à l'époque, il y avait beaucoup de boutiques d'import du Japon, donc surtout des goodies, des figurines, plein de trucs comme ça qui venaient du Japon, les mangas, tout ça, voilà. En fait, c'était ça, la plupart des boutiques que moi j'ai connues à l'époque. J'ai pas connu ces boutiques rétro, alors il y en avait très très peu, c'était vraiment au tout début quand j'ai quitté Paris. Je me souviens de boutiques un peu cachées derrière les rues de Boulevard Voltaire. Et enfin, en tout cas, derrière le Boulevard Voltaire, pas derrière les rues de Boulevard Voltaire, parce que c'est pas du tout français. Et voilà, donc la vidéo c'était surtout pour rencontrer des gens, grâce à Hervé Le Baba. Donc je te remercie de m'avoir invité pour cette journée qui était un petit peu mouvementée sur la fin. J'aurais voulu faire un petit au revoir groupé, mais l'actualité a fait que on a dû, en tout cas moi j'ai dû partir un petit peu plus rapidement, puis bon bah les autres aussi du coup. Tout le mouvement actuel s'est réuni à République, en tout cas à la place de République. Donc on a préféré partir avant qu'on ne puisse plus accéder au métro et que ce soit un peu compliqué pour nous. Donc j'ai raté un petit peu ce petit truc filmé. D'où le fait que je sois un petit peu posé à la maison, en tout cas chez mes beaux-parents. Et j'ai passé une super journée, voilà, c'était super cool de voir des pièces que j'ai pas l'habitude de voir, en tout cas pas en réel. Et super sympa. Alors moi du coup j'ai rien acheté parce que on avait fait un deuxième tour dans l'après-midi, mais on a dû partir un peu plus vite que prévu. Et c'est pas grave, hein. Je pense que ça se refera. Donc je remercie encore Hervé Le Baba, merci encore à toi. J'ai rencontré vraiment des personnes passionnées et c'était super sympa. Franchement, alors ça va sûrement se voir dans la vidéo, je sais pas comment je vais monter tout ça encore, mais je filme beaucoup. Beaucoup la première boutique, et puis au fur et à mesure des boutiques, je filme un peu moins, et puis la dernière encore moins, parce que derrière mon appareil photo, je vois pas un petit peu ce qui se passe. Donc un peu trop concentré sur l'image et pas forcément sur ce qu'il y a. Donc du coup, une fois que je finissais de filmer, je refaisais le tour, mais cette fois pour voir un petit peu ce qui était proposé dans les boutiques. Et franchement, à refaire, et cette fois, je filmerai pas parce que j'aimerais bien un petit peu regarder ça tranquillement. Mais franchement, sympa, c'était vraiment cool. Je pense qu'il y a quand même des. Enfin, c'est pas que je pense, il y a quand même des très très belles pièces. Et ça vaut vraiment le coup de se prendre une journée pour au moins voir ce qu'il y a. Craquer avec un budget comme on veut. Voilà, moi j'avais pas un budget énorme, mais du coup j'ai rien dépensé, donc c'est pas trop grave, ce sera partie remise. Puis très content de cette journée, donc il n'y aura pas le plan groupé avec tout le monde. Je suis désolé si au moment du montage, en tout cas durant la vidéo, il y aura des petits tremblements de caméra. Si j'ai pas pour habitude de filmer comme ça, d'habitude j'ai ma GoPro. Et là filmer à la main, je vous avoue l'appareil photo est très très lourd, donc porter un bout de bras, ça, au bout d'un moment ça fatigue pas mal. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 2 heures. Mais vraiment une très très bonne journée, et puis j'espère refaire ça incessamment sous peu. Donc voilà. Et puis je vous dis de bonnes trouvailles encore à vous. Les vidéos n'ont pas encore recommencé, mais ça va pas tarder. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.